Alléluia. Amen. On peut faire un petit coucou. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je ne serai pas long, vraiment dans ces messages, mais je voudrais tout simplement attirer votre attention. La fin vraiment est là. Amen. La fin est là. Que celui qui veut être avec le Seigneur, qu'il le fasse. Amen. Nous devons bien vraiment avoir nos cœurs et confesser nos vies devant Dieu. Parce qu'il revient bientôt. J'étais là, je priais. Le Seigneur m'a mis une parole dans le cœur. Il me dit tout simplement, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je ne serai pas longtemps. Je ne serai pas long. Nous, vous devez racheter le temps, bien-aimés. Il n'y a que Christ qui peut faire quelque chose dans nos vies. La parole que vous avez entendue, bien-aimés, utilisez ça. Qui connaît le jour de la fin de sa vie? Personne. Je veux qu'on prie le Seigneur ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Pour ton amour. Pour ta grâce. Pour ta fidélité, Yahweh. Pour ta bonté. Pour tout ce que tu as fait sur la croix, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tu as payé un grand prix pour nous. Tu nous as libérés, Père de gloire, du lien de la mort. Tu nous as libérés de toutes les malédictions de la loi. Et tu nous appelles, Seigneur, à marcher tout droit avec toi. À marcher droit avec toi. Seigneur, tu vois ce peuple, Seigneur, devant toi, Seigneur. Tu nous vois, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, éternel Dieu, qui peux montrer les chemins à quelqu'un. Il n'y a que toi qui peux guérir l'âme de quelqu'un. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Pardonne nos offenses, Seigneur. Et guéris nos âmes, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu, te faire du bien, éternel Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Toi qui tu as eu pitié de nous, Seigneur. Et tu nous as rachetés. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons. Nous voulons te couronner. Nous voulons te couronner. Nous voulons te couronner, Yahweh. Nous voulons t'élever, le roi des rois. Nous voulons t'élever. Nous voulons te couronner, le Saint des Saints, Yahweh. Celui qui était, qui est, qui revient, Seigneur. Nous voulons publier ton nom avec sainteté, avec sainteté, avec sainteté. Avec sainteté, avec sainteté, oui. Le roi tout-puissant. Le roi tout-puissant. Kuria Santa Karia Baba Santa. Oh, Randa Baba Santa, Koloya Zekeria Baba Santa, Koraba Zakaya, Koroba Santa, Koroba. Oh, Raba Baba Baba Santa, Koloya Zekna Baba Raka. Oh, Rako Akesele, Rako Baba Santa, Koroba. Oh, Raba Santa, Koloya Zekeria Baraka. Oh, Raba Santa, Karia Baba Santa. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Yahweh, sois béni. Sois béni, mon doudou, sois béni. Sois béni, mon doudou, sois béni. Sois élevé, le roi des rois, sois élevé. Le triomphateur, sois élevé. Celui qui a vaincu la mort, sois élevé. Oh, le roi qui vit éternellement, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, jamais à perpétuité. Le Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth, celui qui revient bientôt, tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt, tu reviens bientôt, tu reviens bientôt, tu reviens bientôt, tu reviens bientôt. Si tu ne prépares pas l'homme, qui va le préparer, Yahweh? Qui va préparer l'homme si tu ne le prépares pas, Yahweh?
Oh, Santa Coria, Santa Carabashi. Taria Baba, Santa Caraba, Santa Baba. Coria Baba, Santa Baba, Santa Baba. Coria Santa Parabashanda. Oranda Baba, Santa Coria, Sicilia, Sacoropa, Santa Coropa, Chicoro Baba. Ora Baba, 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 Santa. Kara Baba Baba Santa Baba, Kora Baba Baba Santa Baba, Kora Nda Kara Basa Kaya Kara Baba Baba Santa Baba Santa Baba, Ora Nda Kara Basa Kaya Baba Santa Baba, Kora Baba Baba Santa Baba, Soro Baba Baba Santa Baba Santa. Simbolo boko lo katemo mona na Yesu. Koranda ya kula sekere sanda koro baba basaka baba baba baba. Araka ya kula basekere ya baba sanda koro baba. Orienda sanda kare basi. Araka ya kula basekere ya baba sanda koro baba. Raba baba sanda koro ya kara basekere ya baba. Coro Santa Baba, Santa. Ça soit loué. Sois élevé. Sois élevé. Sois couronné, sois couronné. Sois couronné, papa, sois couronné. Sois couronné, le roi des rois, sois couronné, Yahweh. Sois couronné, papa, sois couronné, sois couronné. Couronné, sois élevé. Oh, Sanga, Coro, Sakiria, Santa Coro, Saka Baba, Coranda Calaya, Corasa, Coria Raka, Ora Baba Baba, Santa Coro Baba, Coranda Calaba, Sakaria, Rapa Baba, Embarasa Coraba, Baba, Yakoa Baba, Coramba Calaba, Saka Raka Baba, Amalocono Santa Raka Baba, Cora Santa Calaba, Sakara Baba, Cora Santa Corosh. Cora Baba Santa. Cora Baba Santa. Cora Baba Santa Baba. Cora Baba Santa Corvo Shinda. Cora Saka Baba Santa. Cora Santa Rabashenda Carabashinda. Cora Baba Santa Baba Santa. Cora Sakara Santa Baba Santa. Coria Saka Baba Santa Baba. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. 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 Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit exalté. À perpétuité à jamais. À perpétuité à jamais. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit couronné. C'est quoi la bagarre à Santa Colombo? C'est quoi la Santa Colombo? C'est le nom qui nous a été donné. Avec un seul nom. Avec un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oh, Seigneur, ça peut.
Bien aimé, le temps est mauvais, je vous dis, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Le temps est réellement mauvais. Bien aimé, les gens qui ne se donneront pas à Christ partiront en enfer. C'est quoi l'homme Kazandaka la Bashi? Il n'y a que Christ qui peut sauver, il n'y a que Jésus qui peut sauver, il n'y a que Jésus qui peut sauver. Il n'y a que Jésus qui peut libérer dans les péchés, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a aucune prédication qui peut élever. Il n'y a que lui qui peut libérer. Si Christ ne pardonne pas, il n'y a personne qui peut pardonner. Si Christ ne restaure pas, il n'y a personne qui peut restaurer. Si Christ ne sauve pas, il n'y a personne qui peut sauver. Il n'y a que lui qui peut sauver. Il n'y a que lui qui peut sauver. Il n'y a que lui qui peut sauver. Il n'y a que lui. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui est mort pour nos péchés. Koria Sanda, Koro Sangwa, Nakama Sanda. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Celui qui m'a ramassé, celui qui nous a ramassé. Coria Baba Baba Santa Baba. Toria Baba 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 Santa. Où passera-t-il ton éternité? Où? Où passera-t-il ton éternité, bien-aimé? Où passera-t-il ton éternité, bien-aimé? Pense un peu, passe-toi ta vie. Où passera-t-il ton éternité? L'éternité devant toi. Sagoria Santa Baba. Coria Santa Garaba Santa. Corra baba 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 baba. Corra baba 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 baba. Santa baba. Santa. Corra Santa baba. Santa baba. Santa baba. Corra sacra bashinda baba. Ba 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 ba
Praise God. Amen. Nous voulons prendre la parole. Ephésiens 5, 16. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps de la parole. Nous voulons que tu nous conduises au nom de Jésus. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je réponds encore. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans la version anglaise, Le mot inconsidéré est traduit par fou. Ne soyez pas des fous ou des folles. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. J'aime la parole parce que la parole dit la vérité. Amen. La parole connaît les temps. La parole connaît les circonstances. La parole a connu le début et la parole connaît la fin des choses. Et Dieu maintenant par Paul, le Seigneur nous parle que nous devons racheter notre temps. Le temps à moi. Ton temps comme tu es assis là-bas. Le temps que Dieu t'a donné. Toutes les occasions que Dieu permet que tu vives, tu dois les utiliser au maximum. La parole qu'on vous donne ici, il faut les utiliser au maximum pour que tu rachètes le temps. Les occasions que Dieu ouvre dans ta vie, il faut les utiliser. Ne soyez pas inconsidérés comme des fous, des folles. Les gens qui s'approchent devant Dieu. Et Paul dit, il dit que, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour ta vie. Ne venez pas d'abord, quand les gens voient la masse comme ça, ils disent que waouh, le Seigneur est là. Non, tu dois d'abord voir ta propre vie. Quand ça commence à tomber, quand ça commence à pleurer, les gens croient que Dieu est là. Mais Dieu doit d'abord commencer par moi. Amen. Ma vie. Amen. Dieu veut traiter ta vie. Il veut traiter ton âme. Amen. Il veut te guérir. Amen. Mais il veut d'abord commencer que tu ne sois pas dans ta vie inconsidéré devant Dieu. Beaucoup de chrétiens sont des vrais ignorants. Ils sont dans des assemblées, mais des ignorants. Mais Paul dit, vous devez comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi il vous laisse encore vivant? Pourquoi il nous laisse encore sur la terre vivant? C'est parce qu'il a une mission à accomplir. Quitte à nous maintenant de comprendre que Dieu veut que nous soyons sauvés, bien-aimés. Regarde un peu les bêtises que tu as commises depuis que tu es né. Tu serais peut-être déjà mort. Mais Dieu te garde toujours. Ne croyez pas que sa patience, ne blague pas avec sa patience. Sa patience, il veut atteindre une mission pour que tu sois sauvé. C'est ça seulement sa patience. La volonté du Seigneur. Quand tu te présentes comme ça, il n'y a personne qui connaît ton cœur. Mais Dieu connaît ton cœur. Il connaît tout ce qui est caché,
toutes tes bêtises, toutes tes erreurs, il connaît ça. Mais tu vas dire que non, la personne qui est à côté ne connaît pas, il ne voit pas. Peut-être la porte va voir. Si Dieu ne le montre pas, il ne verra pas non plus. Mais Dieu seul connaît la vie de tout un chacun de nous. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Regardez hier vers les années 80, les années 82, l'évangile n'était pas comme ça. L'évangile que j'ai connu vers les années 80, 79, 78, l'évangile n'était pas comme ça. Ça nous montre que le temps a vu m'a changé. Le temps a changé. Qu'allons-nous faire maintenant, nous chrétiens? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons changer, bien-aimés. Changeons la manière de voir les choses avec Dieu. Nous devons comprendre sa volonté. Sa volonté, la volonté de Dieu, c'est quoi? Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, la première volonté. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, quand on dit quiconque, le Seigneur voit d'abord tous les cinq continents, que tu sois noir, marron, jaune, quiconque croira au nom de Jésus de Nazareth, il sera sauvé. Même si les gens ne t'aiment pas, tu seras sauvé. Parce que tu aimes Christ. Même si tu es petit de taille, même si tu n'es pas beau, même si tu n'es pas belle, même si tu ne te calcules pas dans ta famille, mais dès que tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, le nom est écrit au ciel. Ce n'est pas le fait d'abord d'avoir l'onction. Avoir l'onction ou pas, cela n'a rien à voir devant Dieu. Ce qui compte, c'est le mal que tu abandonnes complètement à Dieu. Fini. Non, moi, je n'ai pas telle chose. Lui manifeste l'onction. Moi, je ne manifeste pas. Je m'en fous de tout ça. Mais une seule chose, je sais, en qui je crie. Ce maître ne me laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Mais comprenez quelle est sa volonté dans ta vie. Il y a des gens qui courent aujourd'hui après les miracles seulement. Miracle, miracle, miracle. Mais l'âme n'est pas sauvée. Le pied peut être sauvé, mais l'âme doit être sauvée, bien-aimé. Tu peux avoir un pied sauvé, guéri, mais l'âme. Le Seigneur veut atteindre ton âme. Ton âme. Ton âme, mon âme, que le Seigneur veut atteindre, il veut me guérir. Rachetons notre temps. Le péché que tu sais que tu commets jusque là, il faut les abandonner. Rachetez le temps, bien-aimé. Rachetez le temps. Parce que vous savez que la mort est à la fois imprévisible et inévitable. Ne calcule pas ta vie, mais laisse que Christ calcule ta vie. Amen. Tu fais des calculs, demain je vais vivre encore. La Bible dit ça, c'est l'orgueil. Tu ne sais pas si tu vas vivre encore demain. C'est aujourd'hui. Rachetez le temps, la Bible dit dans le livre de Hébreux, quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Le problème, c'est le cœur. Quand tu entends la voix de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu la voix de Dieu ici, mais le cœur est toujours bloqué. Il reste toujours le même. Or, il n'y a que Dieu qui reste le même. L'homme doit changer. Beaucoup de séminaires, de veillées. Quand on vous regarde ici, nous sommes de l'Allemagne, hein. Quand on vous regarde ici, vous avez veillé, vous avez tel, vous avez tel, vous avez tel. Mais Dieu va vous demander compte demain. Si vous allez en enfer, Dieu va vous demander compte. Avec toute la parole qu'on vous a donnée ici, vos cœurs doivent changer.
On me donne un papier ici, véhicule mal, mal garé, Renault Clio, violet, le numéro de plaque, de la plaque, c'est AM815SZ. C'est à qui la voiture? Ok. Vous voyez, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. C'est ça, racheter le temps. Tu connais tel péché, tel péché, tel péché que tu aimes bien et le Seigneur t'a déjà interpellé par beaucoup de ministères. Tu as entendu la parole, mais jusque-là, tu dis, tu remets à demain. Demain, je vais changer. Mais la mort, le jour que la mort viendra, il ne te prévaudra jamais que non, je viens demain. Il ne va pas prévenir. Ça, le problème. Mais Dieu veut que quand nous entendons sa parole, que nous changeons. Nous changeons. Moi, quand je vois les gens comme ça, c'est bien. Mais il faut avoir l'ambition de Christ. C'est de rentrer. Prêcher l'évangile comme je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Mais ce qui est mieux encore, c'est d'être là-haut. Toutes ces souffrances-là, gênes, prière, veille de prière. Mais il fallait que je dorme chez moi à la maison. Il fallait que je mange. Et encore, rester encore? Mais non! Pense un peu, ma soeur, mon frère. Veillez, vous courez, veillez. Prière, vous courez, prière. Et demain, maintenant, le diable vient vous réclame que non, il était à moi. Ah non, moi je ne fais pas ça. Moi je ne fais pas ça. La Bible dit, hein, depuis le temps déjà baptisé jusqu'à ces jours, le royaume est forcé. Ce n'est que des violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui saisissent leur temps. Les violents. Mais pas les violents selon le monde, hein, mais les violents selon l'esprit. Les gens qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Donc tu ne peux pas racheter le temps si l'Esprit ne te conduit pas. Tu vas dormir en croyant que je suis en éveil, mais pourtant tu dors. Si l'Esprit ne t'aide pas, tu ne sauras pas saisir ce temps. On nous prêche matin, midi, soir, réveille, réveille. Est-ce que ton esprit est réveillé? Le problème est que ton esprit soit réveillé. La personne qui est réveillée, bien-aimée, vous allez voir, même son caractère va changer. Le caractère va changer. La manière d'agir qu'il avait hier va totalement changer. Et je vous dis, je vous préviens, bien-aimée, si l'esprit de Dieu te tient dans ta vie, il y aura un grand changement. Les choses que tu aimais, les choses que tu ne pouvais même pas surmonter, tu vas les surmonter. Parce que l'Esprit a pris place dans ton cœur. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 6 verset 20. 1 Timothée 6, le verset 20. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et des disputes et les disputes de la fausse science. 1 Timothée chapitre 2. D'abord chapitre 1 verset 20. Et maintenant chapitre 2. Le verset, chapitre 2, donc 2 Timothée maintenant, chapitre 1, le verset 14. Paul dit encore à Timothée,
Garde les dépôts par le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui a cette capacité de t'amener à racheter ton temps. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et si l'Esprit ne le fait pas, nous n'arriverons pas à connaître notre temps. Nous allons louper notre temps. Nous allons faire autre chose à la place de notre temps. Au lieu de faire ce que l'Esprit demande, nous allons faire autre chose. Au lieu de se convertir, on va aller faire des bêtises. Il n'y a que l'Esprit qui peut le faire. Et marcher avec l'Esprit, nous devons mourir, bien-aimés. Marcher avec l'Esprit nécessite la mort. Si tu es charnel, tu ne sauras pas marcher avec l'Esprit. Tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas marcher avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dira, dans le livre de Jean, chapitre 4, il dira, Dieu est esprit. Le Dieu que nous servons est esprit. Maintenant, dis-moi, toi qui es charnel, comment tu sauras maintenant racheter ton temps si tu ne te mets pas sous les pieds de cet esprit-là? Parce que l'esprit connaît ce temps que nous sommes. Regardez aujourd'hui les hommes, textuellement, ceux qui se sont, les choses qui se sont passées dans les temps de Sodome et Gomorre. Ces choses-là sont revenues. Et la Bible a déjà dit, prédit déjà avant, d'avant, que ces choses-là viendront. Les hommes commencent à se marier entre hommes. Les femmes commencent à se marier entre femmes. Mais, bien-aimés, est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes au temps de l'affaiblissement? Mais nos vies là, bien-aimés, regarde un peu ta vie, comment tu marches. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Vous savez, toutes ces choses-là sont venues pourquoi? Pour nous affaiblir sur notre chemin. Pour nous affaiblir, tout simplement. Parce que le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu 24, parce que le péché sera accru, le péché va s'accroître comment? Par le mal. Comme ça s'est passé dans le temps de Sodome et Gomorre, et dans ce temps que nous sommes, les choses vont aller la même chose. Alléluia. Les gens qui ne vont pas associer l'esprit dans leur vie, ils resteront. Tu peux dire que j'irai au ciel, je vais rentrer, j'ai la foi, j'ai tout. Mais la Bible dit, puisque le mal sera accru, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Donc tous ces mal-là qui viennent, il y a des mariages gays, il y a des lesbiennes qui ont commencé à se marier, ils veulent même aussi aller loin, adopter les enfants. Les gens qui se marient maintenant, moi je regrette. Les gens qui mettent au monde ces derniers temps, je regrette parce que vous ne savez pas si vous allez garder cet enfant ou bien on va le donner à un couple homo. Et vous ne savez pas. Le monde est devenu très compliqué. Ils veulent faire croire aux gens que nous devons accepter les homosexuels comme on accepte des noirs. Regarde-moi cette injure devant l'Éternel. On compare un homosexuel à un noir. Parce qu'un noir est déconsidéré. Oh, Coria Santa, Cariaba Santa. Donc ils veulent juger Dieu. Pour nous faire comprendre que non, acceptons quand même le mal. Mais nous n'accepterons jamais le mal. À cause de Christ bien-aimé, nous allons toujours refuser au nom de Jésus. Même si on dit qu'on va nous tuer, qu'il nous tue au nom de Jésus. Oh, Riaka Sakariasa, nous préférons mourir. Mais je vais obéir toujours au maître. Il y a des assemblées, bien-aimés, vous qui êtes ici, si vous êtes des pasteurs qui sont ici, il y a des assemblées où on va les obliger de bénir des mariages gays. Si vous refusez, on ferme la porte. Même si on ferme la porte dans les catacombes, nous allons prier toujours. Amen. L'Éternel. Oh, Roko Sakaya Santa. Nous allons toujours le lever parce qu'il est Dieu, Koria Santa. Nous allons marcher dans la sanctification, dans la pureté, dans la... Oh, Koria Santa, Ya Santa, Koria Sakara. Oh, praise God. Alléluia.
Même si l'ennemi se lève, il tombera parce que Dieu est Dieu. Oui. Dis Dieu est Dieu. Oui. Oh, Koria Santaya. Oh, Rakaya Sant. Même si se lève, même si les gouvernements se lèvent, ils tomberont devant Jésus de Nazareth parce qu'il est le roi. Alléluia. Rachetons le temps, bien-aimé. Le temps est déjà mauvais. Au jour d'aujourd'hui, les enfants qui naissent, nous allons bientôt rentrer dans l'année 2015. Tous les enfants qui vont naître là-bas, on ne va plus déclarer les sexes aux enfants. On appelle ça le troisième genre. Le premier genre, c'était quand vous avez une fille, vous l'appelez fille. Sexe féminin. Quand il y a un petit garçon, on l'appelle sexe masculin. Maintenant, le troisième genre, no name. No name en anglais. No name. No name, bien-aimé. Regardez la folie de l'homme. La folie de l'homme. Nous sommes arrivés à un temps, bien-aimé, nous devons racheter le temps. C'est maintenant qu'il faut prier à la maison. C'est maintenant qu'il faut demander à Dieu, change mon cœur, change ma vie, transforme-moi, je vais rentrer. C'est maintenant, bien-aimé, ne passons pas le temps. C'est le temps du changement que nous sommes maintenant. Nous n'avons plus le temps, ne calcule plus le temps. S'il ne faut pas manger, ne mange pas. C'est pour le ciel, bien-aimé. Sinon, demain, monsieur Satan viendra te prendre. Waouh! Le temps est mauvais. Oh, le Seigneur me donne une parole. Ah, je bénis le Seigneur. Ah, Koria Santa Yakara Santa. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon en tout temps. En tout temps. Oh, j'aime l'Éternel parce que l'Éternel ne regarde pas l'extérieur, mais il regarde le cœur de l'homme. Si tu es bon devant Dieu, oh Koria Sakaya Santaya, il va te prendre, il va te changer, te laver, te purifier, te consoler, te lever, Koria Sakaya Santa. Et si tu es avec lui, il va te protéger, bien-aimé. Même si le mal se lève, lui sera ton protecteur. Béni soit l'Éternel, oh Roko Sakaya Santa. Acclamez notre Dieu, bien-aimé. Oh! Oh, Koro Sakaya Santala! Koro Baba Sakaya Tambra Santa Karaba Shaka! Oh, Koro Sakaya Santa! Hallelujah! Praise God! Praise God! God is marvelous! Marvelous! Koro Sakaya Santa! Marvelous! Koro Sakaya Santa! Oh, s'il te tient bien aimé, il va te changer! Il va changer ton âme! Oh, même si tes amis ne t'aimeront plus, bien aimé! Mais l'Éternel sera ton amour. Amen. Ton amour. Un amour parfait. Un amour parfait. Pas l'amour d'un mari avec une femme. Il peut te dire aujourd'hui, je t'aime. Le jour que tu vas devenir malade, commence à regarder quelque part. Mais pas avec Jésus de Nazareth. Même si tu deviens malade, il est toujours ton Dieu. Acclamez-le, bien-aimé. Korosaya Santaya. Praise God. Praise God. Praise God. Koria Santaya Santa. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. J'en connais pas dans ce monde. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas, bien-aimé. Il n'y a que lui, le doudou d'amour. Je l'aime, je le kiffe. Jésus de Nazareth. Praise God. Praise God. Oh. 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 Praise God. Marvelous. Oh. Santa Yakala. Sakaraba Santa Baba. Il est vivant, bien-aimé, vivant. Alléluia. Nous les chrétiens, nous sommes bien-aimés. Nous avons un Dieu qui nous aime. Ne baisse pas tes bras. Même si tu vois la chose ne n'arrive pas encore. Bien-aimés, c'est nous tous qui nous le vivons. Mais Jésus-Christ reste toujours mon doudou.
Les doudous, j'ai dit, mais si je marche avec. Hein? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Même si je n'ai pas l'argent, je m'en fous. Je n'ai pas beaucoup d'habits, je m'en fous. Je n'ai pas de maison, je m'en fous. Je n'ai pas de voiture, je m'en fous. Au ciel, j'en ai. Oh! Au ciel, j'en ai. Au ciel, j'en ai. Au ciel, j'en ai. Oh! Là-haut, 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 là-haut. Les choses, c'est là-haut, là-haut. Vous ne voyez rien ici parce qu'il est noir. Mon ciel aussi là-bas, il n'y aura pas de noir. Il n'y aura pas aussi non plus de blanc. Il y aura seulement des gens qui ont crié en Jésus de Nazareth. C'est ce sont là qui rentreront là-bas. Oh! Praise God! Bien-aimés, soyez fortifiés. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours attachés à Jésus de Nazareth. Acclamons-les, acclamons-les, très fort, acclamons-les. Wow, 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 wow. Oh, kolosaka ya santa ya kalaba saka. Kraza koya santa ya ka ya ka raka baba. Mariaska ya santa ya kalaba saka. Praise God. Praise God. Élève-les. Wow, wow.